Venons-en au football. Le Paris Saint-Germain a rempli la moitié de son contrat hier soir. Ouais, il faudra quand même confirmer dans 15 jours. En Espagne, le PSG vainqueur 2-0 de la Real Sociedad en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Cyril de la Morinerie, des Parisiens qui, une fois de plus, s'en sont remis à qui ? Eh bien, à la star Mbappé. Oui, après une première période insipide, le PSG s'est enfin réveillé grâce à son attaquant vedette. Puis sur une offensive rapide, c'est Bradley Barcola qui a scellé la victoire parisienne en marquant pour la première fois de sa carrière en Ligue des Champions. À l'arrivée, le PSG s'impose sans prendre de but, à la grande satisfaction du capitaine parisien Kylian Mbappé au micro de Canal+. On est à la recherche de ce genre de performance défensivement en Champions League. Et après, bien sûr, on a réussi à marquer, comme j'ai dit, à des moments importants, des moments qui font mal. Mais on est content, on part avec un avantage qui est quand même important. Un avantage qui donne beaucoup d'espoir aux supporters. Michael, écharpe du PSG autour du cou, est très optimiste pour la suite. Ils vont non seulement se qualifier, ils vont passer les quarts, les demi, et je pense que je les vois en finale. La finale de la Ligue des Champions est encore très loin. La prochaine étape, c'est le match retour le 5 mars prochain au Pays Basque, à Saint-Sébastien, où l'ambiance s'annonce bruyante. Ouais, 2-0 à l'aller, c'est quand même presque fait, mais restons prudents. Cyril de la Morinerie, tiens.